Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Je suis Tourop et je suis accompagné de Flo Wolf. Aujourd'hui, vous êtes là avec nous pour un rapport de bataille. Nous allons jouer à Warhammer 40 000. Je vais jouer Necron, tu vas jouer. Allez, c'est parti. Donc, sans plus attendre, on vous présente les listes d'armées et tout ce qui s'ensuit pour que vous puissiez apprécier une belle partie en 2000 points en jeu égal de Warhammer 40 000. Salut les amis, c'est Tourop et aujourd'hui je vais jouer la faction Necron pour ce rapport de bataille Warhammer 40 000. Alors j'ai décidé aujourd'hui de jouer la légion Hypercrypt. Le bonus de cette légion me permet à la fin de chacun des tours de mon adversaire de renvoyer jusqu'à 3 unités ennemies en réserve stratégique. Comme j'ai une petite optimisation dans ma liste, je pourrais même en renvoyer 4. Vous allez retrouver dans cette liste des personnages, on va avoir un Technomancer, on va avoir 3 Plasmancer, on va avoir un Nightbringer et on va avoir un Hexmark ainsi qu'un Locust Lord. Donc tous ces personnages, évidemment, hormis le Nightbringer, ont vocation à intégrer des unités garde du corps pour profiter de la quintessence de leur datasheet. Le Technomancer va apporter un Feel No Pain à 5+, sur les spectres, donc forcément il va aller dans le pack de spectres. Les Plasmancer vont respectivement rejoindre chacun un bloc d'immortels. J'ai 3 blocs d'immortels dans cette liste. 2 de 10, 1 de 5. Un pack de 10 avec des armes Tesla. Un pack de 10 avec du Ghost. Et un pack de 5 avec du Ghost. Donc ça, c'est le type d'armes dont sont équipés les immortels. Voilà pour les Plasmancer. Le Hexmark, c'est un personnage tout seul qui est un peu le pistolero de la bande. Qui a l'on opérative, donc qui est pas ciblable et qui va me permettre de faire plein de petits. C'est un petit scoring, voilà, qui fait plaisir dans cette liste-là. Et le Locust Lord, qui est un personnage en armure destroyer, un corps de destroyer, lui va rejoindre le pack de destroyer qui est dans la liste. Ça lui permettra à ce pack-là de gagner des jets de touche critiques sur du 5+, ce qui combine plutôt pas mal avec leur règle initiale. Du coup, je vous présente les unités que vous retrouvez dans la liste. On va avoir les 3 packs d'immortels comme je vous les ai présentés précédemment. On va avoir un pack de 6 spectres, des Canoptech spectres, qu'on voit plutôt dans les constructions de liste Canoptech, le détachement Canoptech. Là, j'ai décidé de les jouer sur l'Hypercrypt parce que je pense que c'est une super unité. Ensuite, on va retrouver un pack de 3 destroyers. Donc, ils sont équipés avec les armes émitiques. J'ai vraiment beaucoup de mal à vous prononcer cette arme, mais c'est pas grave. Donc, c'est une arme qui permet de faire de la saturation à force 6, PA moins 1. Et voilà, ça fait plaisir. Ensuite, on va retrouver 3 unités de 5 Deathmark. Donc, les Deathmark, c'est une unité d'infanterie qui a des snipers, mais surtout qui a la règle frappe en profondeur de base dans son profil. Donc ça va très très bien combiner avec la règle d'armée d'Hypercrypt. Ensuite, vous allez avoir 2 x 1 destroyer. Là, c'est des petites unités de 1 à chaque fois. C'est une unité qui coûte 30 points et qui est super utile pour faire plein de choses sur la table. Quand vous avez des quarts de table à engager, quand vous avez des petites actions à faire comme investiguer les signaux dans les coins de table, au lieu d'avoir à engager des grosses unités comme les immortels ou d'autres, eh bien vous avez juste à engager des petites unités à 30 points qui ne coûtent pas cher. Donc c'est encore une fois des petits outils de scoring. Et enfin, la pièce maîtresse de cette armée que j'aime beaucoup, c'est le monolithe. Le monolithe en hypercrypt, c'est une excellente unité. C'est un énorme pavé, il a 22 points de vie. Il a une très grosse endurance, il a des très gros tirs, il va se régénérer grâce à la règle de base des Necrons qui consiste à regagner des 3 PV à chaque phase de commandement, ce qui est très cool. Et en plus, il y a des petits personnages qui peuvent redonner encore des points de vie aux figurines de l'armée en cours de route, donc c'est très cool. Et surtout, le monolithe, il a la frappe en profondeur, donc ça veut dire qu'il pourra partir et revenir pendant toute la partie pour faire profiter de sa règle initiale qui, lui, va aspirer une unité infanterie du champ de bataille
et la réinjecter à 6 pouces entièrement autour de lui. Donc ça va permettre encore une fois de matrixer complètement mon adversaire en allant d'un coin de la table à un autre, etc. En n'étant jamais là où on m'attend. C'est bien le principe de cette armée hypercrypt que j'espère vous allez apprécier dans ce rapport de bataille. Sans plus attendre, je vous propose qu'on découvre la liste Votan de Flo. Bonsoir à tous les amis, c'est Flo Wolf. Donc vous me retrouvez aujourd'hui sur la chaîne de Tourop pour un rapport de bataille. Donc je suis venu avec mon armée de Votan. Donc qu'est-ce que c'est la règle des Votan? Je vais avoir des jugements token. Quand l'unité adverse aura un jugement token, j'aurai plus un touche. Et quand l'unité ennemie aura deux jugements token, j'aurai plus un touche, plus un bless. Au début de la partie, je vais pouvoir mettre sur 4 unités de mon adversaire 2 jugements token. Ça veut dire que au début de la partie, j'aurai déjà des petits bonus sur 4, on va dire, grosses unités de mon adversaire pour me donner des petits bonus, etc. Si je détruis une unité qui a ces jugements tokens-là au début de la partie, donc à la phase de commandement 1 et 2, j'aurai 3 CP supplémentaires. À la phase de commandement 3 et 4, 2 CP supplémentaires. Et à mon tour 5, du coup, 1 CP. Donc on va arriver sur mon seigneur de guerre qui est un Iron Master. Donc il a l'amélioration attitude austère qui va ignorer tous les modificateurs, donc à la touche, à la blesse, aux dégâts. Il va accompagner une unité de 6 broquiers full graviton. Donc il va leur donner un plus un touche, il va pouvoir régénérer des PV. Et donc voilà, c'est ma grosse force anti-véhicule, anti-tank, etc. Ensuite, je vais avoir 3 Ennir champions, tous les 3 en marteau. Ils vont avoir la reroll des charges, ils vont faire des BM au corps à corps et ils vont chacun accompagner 5 Terminator Votan. Donc pareil, full vol kit avec les marteaux pour envoyer pas mal de saturation et un petit peu taper au corps à corps. Un de ces champions aura l'amélioration regard critique pour désigner un objectif à ma phase de commandement et toutes les unités adverses auront un CP supplémentaire là-dessus. Ensuite, on va partir un peu sur les véhicules. Donc je vais avoir 3 Sagittors équipés en lance-missile L7. Dans 2 Sagittors, je vais avoir 2 packs de 5 Berserk full marteau avec dans chacun des packs un petit lance-grenade. Dans le dernier, en fait, je vais avoir un pack de 10 guerriers Atrocog, donc une unité de 10 que je vais pouvoir scinder en 2, 5 dans le Sagittor et 5 sur table. Donc c'est un peu du scoring, ça va garder le fond de la table, ça va pouvoir faire des petites actions si besoin. Ensuite, je vais avoir 2x3 motos, donc les petites pionnières. Elles vont être toutes en full ratata, c'est-à-dire elles vont avoir le canon, la petite bobine autocanon. Et ensuite, chacune aura une panoplie de transmission pour sur un 5+, si j'utilisais un CP avec cette unité, regagner le CP que j'ai utilisé. Et ensuite, c'est le scanner qui va me permettre d'ignorer le cover. Et ensuite, pour terminer, on va avoir une bonne grosse hécatone, un bon gros véhicule en du 16, en du 12, pardon, ça aurait été trop beau, 12 PV. Ça va envoyer du coup avec les tirs de Beamer des bons gros tirs un peu anti-véhicule, dégâts flat 4, avec un petit autocanon Matir qui fait un peu de saturation, et ensuite 2 bolters lourds jumelés pour pareil envoyer un petit peu de saturation, et bien sûr le scanner également qui va ignorer le cover. Il est temps de vous présenter le scénario que nous allons jouer sur cet affrontement entre les League of Votan et les Necrons. Alors, pour commencer, nous allons jouer sur prendre et tenir, donc 15 points de primaire possible du T2 au T5, sachant que le joueur numéro 2 scorera ses points à la fin de son tour et non pas à la phase de commandement du 5e tour de jeu. Ensuite, vous allez avoir en scénario spécifique plus glaçante, donc rien de spécifique sur cette table-là. Et enfin, nous allons jouer en marteau et en clume, donc un déploiement sur la largeur de la table en face à face, évidemment. En ce qui concerne les décors de cette partie-là, vous retrouvez des zones de terrain qui nous viennent de l'atelier de Torek, qu'on remercie et qu'on salue, qui est partenaire de la chaîne. Vous avez d'ailleurs des liens d'affiliation et un code promo dans la description. Ces zones de terrain procurent l'occultant lorsqu'on est derrière, procurent le couvert lorsqu'on est dedans et sont des zones de ruines, donc
Il y aura une interaction avec les lignes de vue directes. Et enfin, les deux gros blocs de bâtiments que vous avez au centre de la table, qui eux seront joués en occultant naturel, avec la particularité qu'on peut jouer à l'intérieur, puisque les toits sont modulables. Voilà. Enfin, vous avez 5 objectifs sur la map, les beaux objectifs de la gamme Creative Wargame. J'attire votre attention sur le fait qu'on aura bientôt les objectifs en néoprène, qui seront disponibles encore une fois chez notre partenaire, l'atelier de Torek. Voilà pour la table, le scénario, et on va se retrouver pour le déploiement. Les amis, avant de commencer cette vidéo, cette partie, vous noterez que c'est le premier rapport de bataille de la chaîne dans ce nouveau studio, dans le studio maintenant qu'il est, il est fini. Ce rapport de bataille-là, c'est le premier, je l'espère, d'une longue série. Je vous invite donc à manifester votre contentement si ce genre de format vous plaît, par les leviers qui sont à votre portée, à savoir les commentaires sous la vidéo YouTube, les likes sous la vidéo YouTube, l'abonnement, la petite cloche si ce n'est pas fait, et évidemment, partagez ça massivement sur vos Discord, sur vos WhatsApp, sur vos réseaux, sur vos Facebook. J'insisterai aussi sur le fait que Creative Wargame n'est pas qu'une chaîne YouTube, les amis, nous avons une chaîne Twitch, nous avons un Discord, nous avons une page Instagram, vous avez tous les liens dans la description. Pour finir, enfin, comme tout bon professionnel que nous sommes, nous avons quelques leviers pour développer économiquement notre média. Le premier et celui qui est probablement le plus à votre portée, c'est les affiliations. Si vous allez sur MyObiPlace, vous pouvez acheter vos figurines à moins 20% et en plus de ça, créditer Creative Wargame, et ce qui nous permet de faire vivre notre média, de faire des belles tables et de faire plein de choses. Ensuite, vous avez le Tipeee pour les donateurs qui veulent accéder à nos vidéos privées, à nos contenus Prime, et puis après, tous les liens d'affiliation que vous avez dans la description de la vidéo, je vous invite à y jeter un œil. Sans plus attendre, on attaque ce rapport de bataille Warhammer 40 000. Ça faisait longtemps, on nous l'a demandé de se remettre au charbon avec la chaîne. On y va, c'est parti. Flo, j'espère que tu es content d'être avec nous. Bah ouais, le studio est vraiment super beau, tu as bien bossé. Et merci, c'est grave. Franchement, j'ai hâte de commencer la partie. De bien se taper dessus. Ça va être cool. Et ça va être cool, ouais. Je vais te laisser l'honneur de nous présenter un petit peu ce que tu as fait, puisque tu n'as pas gagné les GD, et donc je t'ai laissé te déployer en premier. Ouais, c'est ça. Je te laisse nous dire ce que tu as fait. Donc du coup, on part sur un petit déploiement classique. Donc j'ai fait un déploiement assez agressif avec les 3 Sagittors et les motos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais avoir un scout 9 avec les motos et 6 avec les Sagittors. Donc... si je vais avoir le jet d'initiative, je vais plutôt m'avancer sur la table. Si mon adversaire a le jet d'initiative, je vais peut-être un petit peu me cacher. Ou on va voir ce qu'on fait, étant donné qu'il n'y a pas encore trop de, on va dire, de gros tirs. Et voilà, j'ai 5 petits guerriers qui sont là, qui vont peut-être aller prendre un objet pour le sticky à un moment donné. Et voilà. Et après, tout le reste est en FEP et en réserve stratégique. T'as 2 blocs de 5 Terminators avec à chaque fois un personnage en frappe en profondeur. Ouais. T'as tes Gravitons, tes Rokirs, oui, avec le personnage en réserve stratégique. C'est ça. Donc ça, ça arrivera par les flancs. C'est ça. Dans ce Sagittor-là et celui au bout, j'ai les 2 packs de Berserk et au milieu, j'ai le petit pack de guerriers. Parfait. Eh ouais. Ben écoute, c'est good. Tu joues en mission tactique. C'est ça. Ok. De mon côté, je joue aussi en mission tactique. Je vais avoir en frappe en profondeur mon monolithe et 2 packs de 5 Deathmark. Et je vais avoir en réserve stratégique mon Nightbringer et 2x1 Destroyer. Ensuite, sur la map, vous allez avoir ici le pack de Spectre accompagné du Technomancer. Vous allez avoir 5 petits Deathmark ici. J'ai pris soin de les positionner pour faire un investigate signal, si jamais ça passe. Ici, là j'ai décidé de mettre mon ex-mark, c'est bien lui, sur la table. Il vient sur la table parce qu'il pourra potentiellement venir capturer cet objectif là. Et il est le nop, donc ça fait plaisir. Ensuite, vous avez un gros bloc ici, j'ai tous mes immortels, ils sont tous là, tout beau, tout caché, les immos. Et après, vous avez les destroyers qui sont ici. Et le reste n'est pas sur la table et se fera le plaisir de venir au bon gré de ce qui va se passer sur le jeu. On a fait globalement le tour pour les déploiements et je te propose, sans plus attendre, que nous jetions le dé. Eh ben, c'est pour moi l'initiative. Je t'avoue que ça me sauce pas de ouf. Non. Tu la voulais, toi, l'initiative ? J'ai l'habitude de jouer avec, donc ouais, je pense que je l'aurais pris. Après, bon, j'avais pas énormément de... Moi, je m'en serais bien passé. Allez, c'est parti pour le tour 1 de la game. Du coup, pour mes pré-moves, donc lui, je l'ai un tout petit peu reculé. Les motos se sont cachées là, lui c'est un petit peu avancé, il est à couvert. Et là-bas, le petit Sagittor, pareil, c'est juste planqué, les motos en un petit peu back.
Voilà, pareil pour si j'ai des objets à faire dans les quarts de table, tout ça, au moins j'ai du petit. On commence donc le tour 1 de cette partie et j'ai généré aléatoirement deux objectifs tactiques, les amis. J'ai eu au tirage Cleanse et Secures le No Man's Land. Donc Cleanse consiste à faire des actions sur des objectifs que je contrôle. Et Secure le No Man's Land consiste à contrôler les objectifs dans le No Man's Land. Le No Man's Land, pour rappel, c'est tout ce qui n'est pas dans une zone de déploiement d'un ou de l'autre des deux joueurs. Donc c'est la bande de 24 pouces que vous avez pour le coup au centre. Il y en a 3 objectifs. Et si j'en contrôle 1, c'est 3 points. Et si j'en contrôle 2, c'est 5 points. Ou c'est 2 et 5, je sais plus. J'ai un petit doute. Ok, bah écoutez les amis, je vais avoir un terrain qui est très très rapide. Alors ce que je vais faire les amis, c'est que j'ai bougé mon pack de spectres. J'ai posé une papatte d'un spectre là-dessus. Ce pack là va cleanse l'objectif. C'est que le No Man's Land me rapporte que 2 points si je tiens qu'un seul objectif dans le No Man's Land. Donc celui-là, je vais le défausser, je vais faire l'impasse sur ces 2 points de victoire pour gagner un point de commandement supplémentaire, ce qui me permettra de passer à 2 PC et donc à 3 au début du tour de flow. Et après, pour le reste, je n'ai que peu bougé. J'ai mon ex-marque qui est venu juste capturer cet objectif-là. Le reste de mon armée là-bas n'a pas bougé et où j'ai très peu bougé. J'ai juste advance le pack de 5 qui est venu se positionner un petit peu dans les ruines. Et globalement, j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fini mon T1. Je vais donc marquer 3 points. Je vais passer à 2 points de commandement ici. Tac. Et je vais donner la main à Flo pour son tour. Donc du coup, début de tour 1. Donc je... En objectif secondaire, j'attrape... Tamping Target, donc Tourop m'a désigné cet objectif là-bas au fond que je dois contrôler pour marquer 5 points de victoire. Et ensuite, j'ai attrapé Capture Any Outpost. Ça fait plaisir. Ouais, OT1, il fait plaisir celui-là. Donc Capture Any Outpost, c'est capturer l'objectif de la zone de déploiement adverse. Donc là, vous vous doutez bien que sur un T1, c'est quand même très très compliqué, voire je pense même juste simplement impossible à faire. Impossible. Ouais. Là après, du coup, bon, t'as pas fait un gros delta au T1, donc je me dis, bon, voilà, je prendrai un CP. C'est ça. Et je vais pas le claquer maintenant et on verra pour la suite. Tu passes à 2 CP, je passe à 3 et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Flo, les amis. Fin de ta phase de mouvement. Ouais. Eh ben, je vais te laisser nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Pareil, on n'a pas fait une grosse phase de mouvement. Du coup, on a ce petit Sagittor qui s'est avancé un petit peu pour prendre l'objectif et se rapprocher des spectres. Sachant que tu es au C3. C'est ça. Et moi au C2, donc tu me l'enlèves. Donc je récupère l'objectif. Bien joué. Là-bas, pareil, j'ai posé une petite roue sur l'objectif. Alors j'essaie de me coller au maximum du mur pour pouvoir, s'il pète à la prochaine phase, je puisse débarquer de l'un ou l'autre côté du mur selon ce qu'il va me proposer comme tir. J'ai sélectionné pendant ma phase de commandement cet objectif avec l'attitude austère ou le regard critique, un des deux, pour en gros dire que sur cet objectif, les unités ennemies qui vont venir, elles auront un jugement de token supplémentaire. Et l'hécatone, elle s'est décalée pour prendre une ligne de vue sur les spectres, donc elle s'est mise à 24, donc elle est là, faut qu'elle tire, sinon après elle sera plus à portée de toutes ses armes. Et voilà. On envoie les pruneaux. Voilà, du coup je vais dépenser un CP, je vais me mettre en soutenu 2 dessus. Ok, donc voilà. Envie de les déboîter. Ouais, j'aimerais un peu les amoindrir au maximum. Sachant qu'ils ont un token, tu as plus un hit, plus un bless pour ces petits gaziers là. Je vais commencer par les deux gros tirs de beamer, donc sur du 3. Et donc du coup c'est force 10, donc normalement je te blesse à 3, et là du coup je te blesse à 2. Il y a 2-1. Il y a 2 as, et moi je save en un vu à 4 plus messieurs dames. J'en rate 2 ces dégâts. 4. Le premier spectre, il prend 2 PV. Toujours le premier spectre, il prend 3 PV, donc j'ai un spectre qui saute. Très bien, donc ensuite je vais faire les 6 tirs de ma tire, donc lui c'est l'arme force 7. Ouais. Ça, donc c'est sur du 2 parce que force 7. Pareil, sur ton invu, c'est 2 dégâts à chaque fois. Yes, allez, invu à 4. Et hop, j'en rate 3. Prends 1 PV supplémentaire sur un spectre. Donc ça fait 6 aussi. Donc ça, c'est les tirs de Bolter. Oui, monsieur. Prends 2 PV. J'ai donc un spectre qui tombe à 1 PV restant. L'hécatone a shooté. L'hécatone a shooté. Ça shoot très bien. C'est très très propre. Ça shoot très bien. J'aurais espéré au moins t'en tuer 2, je m'étais dit. Ah, t'es pas loin. Le Sagittor, c'est ça. Bim dans les spectrus. Donc un spectre supplémentaire qui décède. C'est ça. Pareil, donc lui, on a fini avec ce Sagittor là-bas. À tirer. À tonton. On va faire tirer celui-ci. Oui, monsieur.
Eh non, il meurt. J'avais dit 3. T'avais dit 3. T'as fini tes tirs. Et il me reste un seul tir. Allez. C'est le lance-missile. Oui. Du coup, ça sur part. Du 3, okay. Ça passe. Force 9 sur du 2. C'est wood. Et non. Non. Ok, tu m'as arraché 3 spectres, ce qui est très propre. Du coup, t'as fait tes tirs. Tu viens de m'enlever 2 spectres. 3 spectres. 3 spectres. Ce qui n'est pas déconnant du tout, parce que t'as que 3 châssis qui ont tiré. Après, c'est vrai que ce petit token que tu leur colles dessus fiabilise énormément les salves que tu mets. T'as fini ton tour, tu t'es posé la question de savoir si tu chargeais, ça a globalement pas forcément d'intérêt. Non. Du coup, tu vas mettre Attentine Target à 5 points, c'est parce que tu contrôles cet objectif-là, et tu vas défausser Capture Ennemi de Poste pour récupérer un PC. Exactement. Tu vas donc passer à 2 PC, c'est ça. Et tu vas finir ton tour 1 là-dessus. Ouais. Un tour 1 tout à fait calme, somme toute. Mais c'est normal, c'est le début de la partie. Je pense que là, au niveau du tour 2, ça va commencer on va peut-être commencer à se mettre des parpaings, il y a de fortes chances. Ouais. Petit rajout, j'ai oublié de vous le dire, à la fin du tour 1 de Flo, j'ai fait partir des unités dans la strat d'Hypercrypt. J'ai donc fait repartir mes deux packs de 10 immortels, j'ai fait repartir mon pack de Destroyer et je fais aussi repartir mon pack de 5 immortels. Voilà, donc en gros, me reste sur la table mes spectres, 5 Deathmark et mon S-Mark. On se retrouve pour le deuxième tour de cette partie, les amis. Petit fait notable, vous l'avez vu juste avant, j'ai fait repartir des unités. Ça, c'est la règle Hypercrypt, c'est la règle du détachement d'écran, donc c'est super sexy. Je peux en faire 3, je peux faire 3 unités, mais comme j'ai une petite optimisation sur mon S-Mark, j'en fais 4. Donc voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'à ma phase de commandement, j'ai pas de Battle Shock Test parce que toutes mes unités sont à full effectif, pas en dessous de la moitié. Et surtout, je vais pouvoir, avec ma règle protocole, faire revenir un gars. Il est revenu avec 2 PV et surtout, ça va me permettre de mettre une figurine supplémentaire sur l'objectif, du coup de mettre 4 points d'OC et de récupérer au nez et à la barbe des nains. C'est, en plus, c'est thématique. Au nez et à la barbe des nains, de récupérer cet objectif-là. J'ai 4 points d'OC et le Sagittor en vaut 3, ce qui fait que je vais mettre au début de mon tour, à la fin de ma phase de commandement, 10 points de primaire, 5 pour celui-ci et 5 pour celui-là. Et je vais pouvoir, dès maintenant, attaquer ma phase de mouvement, les amigos. C'est parti. Fin de la phase de mouvement, je vais passer sur la phase de réserve, quoi qu'il arrive ici. Allez, fin de phase de mouvement pour mon tour 2, les amis. Pas mal de choses. Alors, autant sur la phase de mouvement en elle-même, il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai juste survolé et collé 2 BM sur la forteresse. Sagittor. Sur le Sagittor, pardon. Par contre, sur la phase de renfort, il s'est passé pas mal de choses. J'ai fait rentrer ce pack-ci qui est venu se positionner à 18 pouces de ce Sagittor-là pour avoir le tir rapide et envoyer la sauce. Donc, l'idée de ce que j'aimerais faire, c'est fumer le véhicule et après avoir des tirs derrière et potentiellement de la charge sur les berserks. Ensuite, ici, ça n'a pas bougé. J'ai fait rentrer un petit pack de Deathmark derrière dans mon dos pour couvrir cette zone-là, parce que je n'avais plus rien et je sais que Flo pouvait rapid ingress sur son tour. Donc, l'idée, c'est de repousser un rapid ingress dans mon dos. C'est chose faite. Et ensuite, j'ai utilisé un point de commandement pour faire arriver à 3 pouces une unité d'immortels. Donc, c'est cela. Et là, donc la combinaison utile de ce positionnement-là, c'est que j'ai fait arriver mon monolithe ici. Et en faisant arriver eux à 3 pouces avec ce petit cordon, ça me permet en fait de me prémunir de l'unité qui, pour le coup, peut vraiment détruire le monolithe. Ce sont les Brokir qui doivent arriver dans un bord de table. Donc, en gros, en faisant ça, j'empêche les Brokir d'arriver à 18 trop facilement ici. Donc, l'idée, c'était que même s'ils pouvaient rapide ingress ici, les Brokir, mais après, avec son mouvement de 5, il n'avait pas la portée pour aller là-dessus. Donc, globalement, les Brokir ne pourront pas toucher mon monolithe sur le T2 de Flo, donc c'est une bonne chose. Et ensuite, ce que j'ai fait arriver mon pack d'immortels dans les 6 pouces du monolithe. Au passage, j'ai un gars qui a mis un pied sur l'objectif, là j'en ai deux qui ont mis des pieds sur l'objectif. Ici, je suis venu chercher une ligne de vue pour aller mettre de la mortelle, là il y aura de la mortelle, et l'idée c'est de laver le Sagittor avec le monolithe et après rincer le contenu, rincer le contenant avec les immortels. Voilà. Et de son côté, Flo, il a rapid ingress. Donc, on a chacun utilisé un PC. Et il a rapid ingress avec ses Terminators. Il les a mis ici, hors de ligne de vue de mon monolithe, de mes immortels, pour évidemment avoir de la mobilité et pouvoir, dès son T2, aller chercher des corps à corps, etc. etc. Voilà. On va donc passer à
ma phase de tir. Je vais commencer par un truc plutôt cool, à savoir les aptitudes de mes Plasmancer. Le Plasmancer est excellent parce que, outre le fait qu'il donne un jet de touche critique, touche soutenue pardon, sur du 5+, à l'unité à laquelle il s'attache, il a une aptitude, il cible une unité visible. Donc là, j'ai un Plasmancer qui arrive avec le pack de 10 immortels. Il va cibler le Sagittor et je vais jeter 4 dés. Et sur chaque 4+, tu vas prendre une blessure mortelle. Et ben, ça fait 3 BM pour le premier Plasmancer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une aptitude, donc ça m'active pas le tir de l'unité. Ouais. Donc, tu vois, je vais activer lui et je vais activer mon deuxième Plasmancer qui arrive aussi des réserves, qui a pris une ligne de vue sur le Sagittor. Donc, on a 3 PV sur la première. Ouais. Et sur la deuxième, tu prends 2 PV. Okay. Donc, on met 5 PV au Sagittor avec les Plasmancer. Je pense que tu as été large avec la monolithe. ouais, il faut, hein. Il faut. Ceux qui n'ont pas d'option de tir, ce sont mes destroyers. Donc, eux vont tirer. Je rappelle qu'ils ont 12 tirs par mec, ça fait 36 tirs pour l'unité. Elle va tirer sur le Sagittor. Donc, on va mettre 36 tirs. On va toucher sur du 3. On va être en full reroll. Et on va être en touche soutenue sur les 5 et les 6. Allez. Pour les jets de touche, c'est sur du 3 en full reroll. 1, 2, 3, 4. Il y a 5 explos. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 sauvegardes pour la première salve. Et c'est sur du 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 de plus. 1, 2, 3. Il y a 3 sauvegardes. Ça fait 13. Ouais, t'as donc 13 sauvegardes. Prends 5 PV. Ouais. Ok, il m'en reste 2. Du coup, ça va me permettre d'activer le pack de spectre qui est juste en face. Donc, le pack de spectre va tirer. Je vais faire tirer en tout premier le Technomancer. De 6, on n'en parle plus. Attention! Et il y en a qu'un. Il y a un 6, donc c'est une BM. Et de toute façon, c'est de la force 5. Donc, en vrai, je pouvais que te faire de la BM. Il lui reste un PV au petit. Et je vais pas avoir d'outils pour faire grand chose de plus, en vrai. C'est donc, le PV. Je vais devoir aller chercher au close, hein, c'est la vie. On va aller de l'autre côté. Alors là, il y a débat de l'autre côté. Donc là, globalement, ce qui se passe, c'est que. Après un lourd calcul, si jamais, j'utilise mon monolithe pour péter ce châssis. Et que je pète le châssis, pour le coup, c'est pas si jamais, c'est ce qui va se passer. Globalement, il va pouvoir débarquer ces mecs ici. Et ça va lourdement réduire ma capacité de tir avec ce pack-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce pack-là pour tuer le véhicule. Alors, c'est moins stable que le monolithe, certes, mais voilà. Sachant que j'ai quand même des petits tirs du Plasmancer aussi. Il y a 4 PV. Et il reste 4 PV. Et avec le monolithe, je pourrais, quoi qu'il arrive, où qu'il place, il prendra la sauce du monolithe dans les Berkos. Et ça mange pas de pain, quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est que mes immortels vont tirer là-dedans. Je vais commencer par faire tirer le Plasmancer. Le Plasmancer, il a 3 tirs qui vont toucher sur du 4 parce que c'est un Plasmancer. C'est force 7, donc je vais te blesser sur du 5. Et comme je suis dans un pack d'immortels et les immortels ont une full reroll quand ils ciblent une unité qui est sur un objectif, j'ai la full reroll aussi sur mon Plasmancer. Allez, bim, ça se trouve, c'est le Plasmancer qui va le laver. Là, c'est PA moins 3 pour 2 dégâts. T'as pas de couvert, c'est de la save à 6. Bon, en vrai, le Plasmancer va le laver. Il paraît que mes immortels vont pas tirer sur ce tour. Allez. Ah merde, je sais, mes immortels non plus. C'est pas grave. Pardon. Donc, il prend 4 PV. Écoute, ça suffit. Ouais, du coup, mes immortels ne servent à rien. Le Plasmancer, il a fait le taf de 10 mecs, il est content. Ok. Et du coup, je vais activer mon monolithe et le monolithe va laver les 5 Berkos. Ok, bon, j'ai lavé les Berserk. Ouais. Juste par contre, du coup, vu que c'est ton Plasmancer ici qui a tué mon Sagittor, ouais. Du coup, ils vont prendre un token. Ok, ça marche. Fin de la phase de tir, je vais déclencher la phase de charge. Évidemment, mes spectres vont tenter d'enlever le PV restant sur ce châssis-là. Il me faut une grosse charge. 9. Ouais. Du coup, je vais taper sur ton petit véhicule. Ça touche à 4. Ça blesse à 5. Je t'en mets 3. C'est PA moins 1. 3 à 4. Ouais, 3 à 4. Si t'en rates une, il est dead. Ouais. Si tu les réussis toutes, ça m'embête. Aucune. Bon, aucune. Est-ce qu'il explose ? Non. Ouais. Les 5 mecs dedans. 2 mortels. 2 mortels. 2 FNP. Ah oui. 5. Ouais. C'est bon. Flo a débarqué ses gars. Ils ont d'ailleurs un test de Battle Shock, mais qui n'a aucune incidence pour le coup. Non, ils sont pas un test. Ils sont Battle Shock. Ouais. Mais ça n'a pas d'incidence pour le coup. Et on a fait le tour et j'ai fini globalement mon tour de jeu. Alors, j'ai enlevé 2 Sagittor, un pack de Berserk. J'aurais aimé enlever celui-ci. Il va m'embêter, je pense, celui-ci.
celui-ci, mais c'est comme ça. Voilà, fin de mon tour. Je vais marquer Storm of Steel Objective, parce que j'ai tué une unité qui était sur un objectif. Et mon autre secondaire était, je me rappelle plus, Assassinat, et tu n'avais pas de personnage. Donc non. Celui-là, je vais le défausser pour gagner un PC, ce qui va me permettre de repasser à 4 PC et mettre juste mon Storm of Steel. Et on passe à ton... Ta phase de commandement commence par quoi ? T'as des choses ? Oui, déjà, je vais simplement désigner l'objectif là-bas pour dire que les unités dessus vont avoir un jugement de token supplémentaire. Du ce coup, qui fait que celle-ci passe à 2. Et les autres passeront à 1. Ouais, c'est fort. Après, c'est juste pour la... Pour, enfin, jusqu'à pour ma prochaine phase de commandement. Ouais, c'est cool. Donc, voilà. Ça cible bien, ouais. Ça polarise bien la map, c'est cool. Exactement. Ok, et après, phase de mouvement ? Phase de mouvement. Tirage de secondaire ? Yes. Aria Adenal. Oh, c'est ça, donc j'ai chopé Aria Adenal et... Téléportomer. Téléportomer, ouais. Alors pour les francophones, c'est vrai qu'on joue avec l'application. C'est vrai. Donc c'est déployer les balises de téléportation et... repousser la zone. Ouais, Aria Adenal, c'est un truc avec la zone. Donc en gros, personne au centre, voilà. Durant la phase de mouvement ici, juste on casse un petit peu la séquence parce que c'est pour, dans le cadre du tournage, mais quand ces Terminators ont fini le mouvement, je vais activer un PC et je passe à 4 et je vais Overwatch avec mon monolithe parce que ça mange pas de pain. J'ai 4 gros pruneaux qui sustain des 3, donc en vrai si j'ai du 6 ça fait plaisir. J'en ai un, ce qui te fait donc un sustain des 3 qui nous en fait du coup, ça nous fait 2 sustain des 3, bah, ça fait 2 tirs. Et ça blesse sur du 2 parce que c'est de la force 12. Ouais. Bim, ça c'est carré. C'est PA-4 et c'est flat large. Flat D6 plus 1. Bon, après, il n'y a pas nécessairement, mais ça blessait à 3 parce que moins 1 blesse. Ah oui, datif. Ouais. Ok, ouais, j'ai oublié de compter. Donc, là, ça y va 6 de couvert du coup. C'est ça, donc je me suis planqué. Donc ça y va 2, PA-4. Donc passe à 3. Donc save à 5. C'est ça, exactement. T'as de la save à 5 de couvert, exact. Allez, 2 save à 5. Allez, au moins une. D6 plus 1. C'est 2 PV ? 2 PV, ouais. Bah, c'est forcément 2 morts. T'as fini ta phase de mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait ? Donc du coup, j'avais bougé le pack de Terminator pour se mettre à 4 pouces d'une potentielle charge sur les immortels. Ensuite là-bas j'ai les motos qui sont déployées aussi pour pouvoir tirer sur les petits immortels qui se sont placés ici. Le Sagittor, après avoir lâché les petits gugus, il s'est décalé pour prendre des lignes de vue sur la monolithe et les petits immortels. Du coup au centre j'ai ces petits atrocoques qui vont me faire déployer le téléportomer et aller à Adenal. 8 points. Ça, c'est des bons gars, ça. Ça, c'est des bons petits gars. Les thermis ont débarqué aussi de la forteresse pour pouvoir pas mal tirer ici. Peut-être que je vais envoyer pas mal de tirs ou quoi. Mais bon, au moins, ils sont sortis, ils sont à côté. Je préfère être sûr de pouvoir les sécher. Et on arrive sur la fin, du coup, de ma phase de... J'ai claqué un PC, j'en reclaque un. Passer donc à 3 PC et je vais faire un rapide ingress avec le Nightbringer. Pas mouvement de tir et c'est important. Pourquoi ? C'est un point d'ossée, t'es thermi. Ouais. Donc t'as plus que 3 mecs. Ouais. T'as les deux là plus le perso. Ouais. Donc t'as 3 points d'ossée. Quoi qu'il arrive, même si tu me laves tous mes imos, j'aurai quand même cet objectif là. Au C4 les. Au C4 le Cétan. Est-ce que ça ressemblerait pas à un début de phase de tir pour les Jotan ? Ça commence. Allez, donc c'est parti. On va envoyer la sauce ? On va envoyer la sauce, hein. Donc ici, donc le beam et le matière qui a une portée de 24 sur les spectres et les bolters portée de 36. Sur les destros. Ouais. Je prends 2 PV. En 2 dégâts. Je prends 2 dégâts sur... Sur tes petits mecs là-bas. Sur mon petit destro, je vais mettre sur lui d'ailleurs. Tac. La forteresse a tiré ? La forteresse a tiré. Ok. On passe à la suite. Du coup, je vais faire tirer les motos là-bas sur tes gars. Les destros. Let's go. Ça tire donc... comment les petites motos ? Alors là, il va y avoir 9 tirs, force 7, par moins 1, dégâts 2, ignore cover. Donc touche à 4, blesse à 3. Ouais. Et ensuite, il va y avoir la tire de bobine, c'est 6 tirs, force 6, par moins 1, dégâts 1. Ok, je suis sur de la 4 plus de sauvegarde. C'est très propre aussi de mon côté, donc je prends 2 PV supplémentaires, ce qui me tue un destroyer. Un mort et un 2 PV. Tu viens de me faire... Ah, c'est dégâts 2 ? Ouais. Ah ouais, pardon. C'est dégâts 2. Ah oui, oui. Tu le tues et tu mets 2 autres PV. Pardon, je crois que c'était 1 dégât. C'est très fort cette arme, disons. C'est pas mal. Et après, du coup, ça, c'est la bobine. Ouais, la bobine. Force 6 à 4. Sur du 4.
Et là, CP à moins 1, dégâts 1, ignore cover aussi. Eh ben, c'est sûr du 4 pour moi. Et c'est dégâts 1, donc dégâts je prends 1. 2 PV supplémentaires. Eh ben, il est mort. Tu m'en tues un deuxième. Propre. Terminators vont tout tirer là-dessus. Comme les Terminators sur ouais, les spectres. Ouais, les Termon, c'est ça. Comme l'Hécatone a touché tes spectres, oui. Je vais être en full reroll des blesses. Allez, classe. Let's go. Donc, les Terminators qui sont là vont shooter dans les spectres. Donc, je vais faire les Volky, donc ça va faire 15 tirs. Ouais. Je perds un mec. J'avais déjà perdu 2 PV sur lui, donc il en perd 2 supplémentaires et il est décédé. Là, du coup, je vais faire 5 D6 tirs. Ouais. Donc, allez, sur du 2. Sur du 4. Ça y va 3. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Et Finopain à 5. Et ben, tu me tues un spectre. Ok. Tout ça pour ça, dira-t-on. Donc, je vais envoyer déjà toutes les motos sur tes petits gars-là. Yes. Donc, je vais commencer par les 6 tirs à saut. Parce que celle-là a porté de 12. Donc, ici, sur les immortels, donc à 3 parce que tu as un token. Oui, monsieur. Et c'est force 5, on dit sur du 4. Ouais. T'en as 2, pas de, pas de PA. Ça y va 3. C'est trop fort. Là, je vais faire les 6 tirs d'autocanon. Ouais. Donc à 3, j'ai 3, 6. 3. C'est force 6, donc c'est sur du 3. CP à moins 1, ignore cover. Sur du 4. Je perds 3 gaziers. Et ensuite, les autres tirs. Donc 9 tirs sur du 3. Force 7 sur du 3. Ben, j'ai mon Plasmancer qui survit tout seul. Il garde son petit token de la haine là. Donc là, on a qui? On a les thermis ici. Ouais. Qui vont tirer dans les immortels là. Ouais. Ok. Ben, je prends 3 PV. Donc 3 morts du coup. Ouais. Je repère 2 mecs. J'ai enlevé lui. Et ben, lui, il est parti tout seul. Le Sagittor. Il va nous tirer sur les immortels. Hein. Un mort supplémentaire. Et les deux gros tirs, sur du 3 ça passe, et sur du 2, ben 1. Ben à moins 3, ah bon. Dégâts plat 3. Ils ont pris forfait quand même, hein. Ils ont pas aimé la sanction. Mmh. Ok, on finit donc cette phase de tir qui a été assez conséquente, c'est pas rien, tu m'as enlevé 2 spectres ici, tu m'as enlevé 2 spectres, tu m'as enlevé 2 destroyers. Tu m'as enlevé 8 immortels et là-bas, tu m'as enlevé 5 immortels. Donc, tu as quand même bien fait le taf. À la fin de ta phase, je vais activer l'orbe de mon lord et il va permettre de ramener des 3 PV sur bah, 1 PV. C'est dommage. C'est-à-dire que je pourrais pas en ramener un deuxième avec un autre protocole. Mais du coup, ça me permet de ramener lui ici. Et tu as fait tous tes tirs. Donc voilà, par contre, il ne revient qu'avec un petit PEV, donc il en reste plus qu'un. Voilà ce bon monsieur. Et du coup, on passe à la phase de charge. Donc du coup, on va avoir les Berserk qui vont charger là. On va avoir les thermiques qui vont charger là aussi. Ouais. Ensuite, là-bas, ben, les Berserk, les thermiques. Alors, écoute, je vais te charger sur les IMO. Les IMO. Charge. Ok, donc on commence les charges. Les Berserk sur les Spectros. Charge à 6. On a fini le mouvement de charge de 6 pour les Berserk qui sont là. Et du coup, tu actives les Terminators. Yes, ils ont une charge à 9. Charge à 9, reroll grâce au champion. Ok. Allez, easy. Et ensuite, du coup, charge là-bas. Ici. Et ouais, charge là-bas. Eux, on avait dit, tu voulais aller dans les immortels. Ouais, charge à 8. À 8, reroll. C'est ça. 6. La petite rerollasse. Allez. Allez. 8. 8, c'est propre. Pile poil. Ok, c'est parti. On arrive donc à la fin de la phase de charge. T'as validé toutes tes charges, c'est cool. C'est ça. Bien wesh, donc on a les spectres, on a les IMO qui sont engagés. Et qui tu veux commencer à taper? Bah écoute, je pense que je vais commencer à taper avec les Berserk ici. J'ai juste mon techno qui survit, content d'être heureux. Mais qui pourra pas faire revenir de spectre, c'est fini. T'as tué les spectres. Finito. Dans l'entièreté. Et ensuite là-bas, après, on a... Ici, on a le corps à corps des immortels avec les 4. Du coup, j'ai 2 morts. Vas-y. Et après, il reste les 2 copains derrière. 2 attaques. Sur du 2. C'est à moins 2 dégâts 2. Et après, il y a le gros chef avec son gros marteau.
PA-2, dégâts 2, et ben il est mort. C'est la save à 4, le placement de sort. Ok. Est-ce que tu contactes le monolithe? Et ben du coup, vu que tu l'engages, il va taper, le gars. Allez, je te mets 6 taquets de monolithe. C'est parti, c'est sur du 2. Et après, c'est sur du 3. Ah, pardon, sur du 4. Sur du 4. Parce que t'es fort sur 8. Ok. Ben vas-y, t'en as 2. À 4+. 2 à 4+, pour un mort à chaque fois. Ben voilà. Et ben ça fait 2 morts. Et t'es dans les 6 pouces de mon Nightbringer, mon bon Flo. Et du coup, mortel. Sur un 2+, tu prends... non, c'est sur un 4+, pardon. Donc tu me prends rien. Tu ne prends pas de mortel. Cool. On arrive donc à la fin de ton tour. Mmh. C'est pas mal cette affaire. T'as lavé un pack de spectre, t'as lavé un pack d'immortel. En retour, j'ai quand même lavé un pack de Terminator sur ton tour, ce qui n'est pas négligeable. Ouais. T'as quand même fait du dégât. Honnêtement, t'as fait un joli tour, t'as fait du bon dégât. Mmh. Et du coup, tu valides 8 points en plus. Ouais. D'Aréa Dénéal. Et puis, t'es quand même bien positionné sur la map, donc c'est cool. Et on va immédiatement attaquer mon T3. Mmh. Avant d'attaquer mon T3, ce qui se passe, c'est que tu vas repartir, en fait. On passe au tour 3 et je vais mettre 10 points de primaire en ce début de tour, parce que je tiens deux objectifs. Je vais prendre un PC, je passe à 4. Flo prend un PC, il passe à 3. Et globalement, c'est tout. J'ai fait mon protocole, j'ai regagné 3 PV sur un destroyer, donc il est en full PV. Et je vais attaquer ma phase de mouvement, les amis. Au niveau du tirage, j'ai pris derrière les lignes ennemies. Et j'ai pris nos prisonniers. Voilà, donc c'est parti. Il faut tuer des trucs et il faut aller. Il faut mener l'invasion à bien, hein, en somme toute. Donc c'est globalement ce qu'on va faire. Les amis, fin de ma phase de mouvement du T3. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la chose suivante. Il y a eu peu de mouvement sur les unités qui étaient en place. J'ai dû vous dire que je faisais partir. Je faisais pas partir mes destroyers, mais si mes destroyers finalement sont partis. Donc, ils sont revenus là-bas, ils sont contents. Quoi qu'il arrive, ce que j'ai fait, c'est que mon Technomancer a désengagé, il a resté un pied sur l'objectif. J'ai utilisé un PC pour arriver à 3 pouces avec ce destroyer-là, ce qui me permet d'avoir 3 points d'OC et donc de nuller cet objectif-là. Il faut savoir que quand je l'ai fait, Flo a activé un point de commandement pour Overwatch. Il a essayé de salver ça avec sa grosse forteresse et ça n'a pas marché. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eux sont arrivés en fait, ils sont dans le décor, bon, ils ont une ligne de vue là-dessus. Le monolithe est resté engagé avec le gros, le Nightbringer a commencé à avancer, le Hexmark est sorti de l'objectif, il a été remplacé par des Deathmark qui prennent l'objectif. J'ai 5 autres Deathmark qui sont venus ici. Et ensuite, pour le reste, j'ai mon pack d'immortels qui est venu là-bas, qui va se charger un petit peu de rendre l'appareil aux mobilettes. Et on est globalement, on a fait le tour. On a globalement fait le tour. Est-ce que tu veux Rapid Ingress? T'as un pack de thermi et un pack de broker dedans. Je vais pas le faire. Pas de rapid ingress, ce qui veut dire qu'on va immédiatement attaquer ma phase de tir. Et ma phase de tir, elle va commencer par des aptitudes de Plasmancer. La première, on va envoyer de la place mouille dans le perso. Donc on va envoyer du Plasmancer là-dedans. C'est parti, 4 dice. Le premier, sur du 4+. Oh, sur du 4+, ça met de la BM. Ça fait 3 blessures mortelles pour le perso. Il reste 2 PM. Et le deuxième, eh ben, il lui met 2 BM. Donc, il est archi lavé. Je vais tirer avec lui et je vais tirer là-dedans. C'est parti, il te touche sur du 3. C'est Lethal Hit. Donc, il y en a une qui passe. Il y en a une qui blesse auto. Et c'est de la force 5 sur eux. C'est de l'endu 4, je suppose. 5. Endu 5. Donc, c'est sur du 4+. Ouais, c'est moins 2 pour 2. Un mort et 2 morts. Ok, on a enlevé 2 petits gâtés, je vais sniper avec eux sur les petits, encore une fois. Donc c'est parti, on va mettre 5 pruneaux de sniping. Les snipers, ils te touchent sur du 3 et c'est force 5, ils vont te blesser sur du 4. Fais attention, avec pas trop les dés, on les a fait du bruit. Ouais, ouais, carrément. Et ben, les mecs, c'est du sniper qui a fait l'académie de sniping, on l'a pas eu. Ok, les snipers ont tiré. C'est cool, ça va me permettre d'utiliser mon monolithe pour autre chose. D'abord, je vais faire les immortels parce qu'ils n'ont pas d'autres cibles. Les immortels vont tout mettre dans les motos. Donc, les immo, dans les motos. Là, je n'aurai que la reroll des as. Donc là, les immo, en gauche, ça te touche sur du 3. Et eux, ils te blessent auto sur du 5 et du 6. Donc, ici, ça blesse.
Ça blesse. Ça, c'est de la blesse. Et ça, c'est de l'échec. Et après, c'est force 5. Les motos sont du 6 Les motos sont du 6, ouais. Donc, je te blesse sur du 5 et j'ai la reroll des As. Mais j'ai pas d'As, mais c'est un beau jet, quoi qu'il arrive. Si, j'ai un As. J'ai un As ici. Voilà, tu perds moins 1. Save à 5. Écoute, je vais faire partir elle qui a 4 PV. Ouais. Et du coup, une autre à 3 PV. Ok, et donc la dernière est full. On va laver un Sagittor, une fois de plus. Ça ne rapporte pas de points, mais bon. On accepte. Donc, le Nightbringer va mettre son regard de mort dans ton Sagittor. Il va faire des 3 tirs. Il en fait un, il te touche à 2. Et c'est force, c'est sur du 3+. Ça ne fait rien. Ça, c'est la magie des Satan. Donc, on est content d'avoir le monolithe qui va mettre toute sa haine dans le Sagittor. On est sur du 3+, et c'est Substain D3. Il y a un 6 qui fait 2 touches supplémentaires. Et c'est force 12. Donc, on est sur du 3. Et ben voilà, monsieur, vous avez ça. Vous avez le couvert. C'est PA moins 4. Donc, tu es sur la save à 6. Pour D6 plus 1. Donc, tu prends, je fais le premier, ça fait 4 PV, et le deuxième, est-ce que je le reroll Il a 5 PV, là, celui-là. Est-ce que je le reroll? J'ai 3 PC dedans, je vais pas reroll ça, honnêtement. Je vois pas l'intérêt. Donc, je lui mets 5 PV, au total. Non, t'as fait 3 et 1, 4, et 2, 6. 6, je mets 6 PV. 6 PV, pardon. Il lui reste 3 PV, du coup. Yes. Ok, et après, il y a les 3 D6 tirs. Ça fait 7 et 2, ça fait 9. Ici, on en a 3, 5 et 3, 8. Et un 9. Ça te touche sur du 3. Et c'est pas fou. Il y en a ça qui passe. C'est force 8, ça te blesse sur du 5, mais c'est des Devawound. Non, il y en a que 2 qui passent. C'est PA moins 1 pour 2 dégâts. T'as le couvert, donc t'as pas de PA en fait. Ah, si j'en rate. Tu prends 2 dégâts. Il me reste 1 PV. Il te reste 1 PV. Ça fait 2 fois que tu mets un Sagittor à 1 PV. Hein. Ouais, bah c'est comme ça. Mais ce qui fait que je finis ma phase de tir et ça globalement ça clôture mon tour. J'ai donc enlevé les 5 mecs qui tenaient l'objectif ici. J'ai enlevé le patron qui était là-bas. J'ai enlevé quelques PV là-dessus. Enfin 9 PV, c'est pas quelques PV. J'ai enlevé 9 PV là-dessus. Et j'ai enlevé 2 motos là-bas. Et globalement, c'est 8 PV sur le Sagittor. Ouais, 8 PV sur le Sagittor. Ouais. Et on est pas mal. Surtout, ce qui était important, c'est que en fait, bah, je vais te faire tomber à 5 points de primaire. Ça, c'était hyper important. Ouais. Je vais mettre un point de Behind Enemy Line grâce à mon Destroyer qui est ici. Voilà, il est bien. Donc, je mets 3 points grâce à ça. Et ensuite, bah, j'ai tué au moins 2 unités. Ok, donc je mets 4 points et lui, 3 points. 3 points. Et 3 points. Donc, je mets 7 points de secondaire sur ce tour-ci. Je te dirais que toi, au début de ton T2, tu mets 5 points de primaire. Mmh. Tu vas avoir un battle shock test pour ta voiture, pour ta moto. Ouais. C'est la soirée automobile. Tu passes à 3 PC, je passe à 4 PC. Et on peut faire ton tirage. Du coup, donc pour ma phase de commandement de mon tour 3, en objectif secondaire, j'ai attrapé Assassinat et No Prisoner. Donc honnêtement, c'est des bons tirages. J'ai un petit mec ici, ouais, donc c'est free. Le No Prisoner, ben voilà, on va essayer de détruire un petit peu des unités et voir qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Et tu as récupéré grâce à ton aptitude ? C'est ça. Et donc, du coup, grâce à mon aptitude, j'ai récupéré 2 CP supplémentaires. Comme c'est ma troisième phase de commandement, je récupère 2 CP. Ça, et c'est dû au fait que tu aies tué les spectres. C'est ça. Qui avaient 2 tokens en début de partie. Oh, c'est ça. Ok. Et donc, on va passer à la phase de mouvement. Allez, c'est parti. On est au cours de ta phase de mouvement. Tu viens de setup ton pack de Brokir. Et qui s'est mis évidemment pour venir salver le monolithe. Ouais. Et ben écoute, je vais Overwatch. Okay. Parce que ça me fait plaisir. Je vais utiliser un PC, je suis à 4. Je passe à 3. Oublie pas que je peux faire partir les PV tampons. Donc si tu veux faire tes tirs de statue en premier. Ouais, et ben il ne faut rien. Moi aussi à mon tour, j'ai fait un Overwatch dégueulasse. Bon. Donc petit point de situation. Donc on a les thermes ici qui sont décalés. Prendre une ligne de vue sur les petits snipers.
On a également les berserks qui sont avancés pour voilà, tenter une petite charge. Les motos également, elles ont avancé pour prendre un petit peu de place au niveau sur l'objet, etc. Ensuite, on a les petits Atrocog là-bas qui ont fait une petite advance à 1. Pour pareil, l'objet est sticky. J'ai posé mon petit Sagittor sur l'objet. Même s'il est, est Battle Shock, c'est pas grave, l'objet est sticky. Donc il va quand même empêcher ses petites FEP à 3 s'il veut m'embêter. Ils pourront tirer en assaut avec l'arme. Ensuite, l'hécatone, elle est restée ici. Alors là, je vais prendre la ligne de vue pour tirer ici. Elle a une ligne de vue également sur le petit personnage qui est là. Ensuite, j'ai fait FEP les thermis ici. Bon, après, je pense que j'aurais dû faire un autre move. On en parlera à la fin. Donc, j'ai fait FEP ici. Ils vont prendre une ligne de vue pour tirer sur la monolithe. S'il reste des PV, on va essayer de la surcharger au maximum, peut-être tenter une charge à 9, on verra. Et ensuite, j'ai mes brokers là-bas au bout qui sont arrivés pile à portée pour asmater au maximum la monolithe, quoi. Écoutez, ce sera tout du coup pour cette phase. Et la petite moto là-bas aussi qui s'est un petit peu planquée, qui a réussi son test de Battle Shock. Et là, on va passer du coup sur la phase de tir. Phase de tir du T3, les amis, des Votan. Les tirs de rade de tous les Terminators sur tes petits mecs là-bas. Allez, et ben ils sont morts. Ok, ça suffit, nickel. Touron. Tout beau touron. Là, on va envoyer du coup la grosse salve sur la couze. Donc là, c'est les broquilles. Ouais. J'utilise pas le PV pour avoir la 4 plus 1 vue pour la simple et bonne raison que bah, il a une PA moins 2 et j'ai un couvert et une save à 2, donc je serai sur une save à 3. Ouais. De base. C'est en plus, en fait, j'ignore les modificateurs, mais j'ignore pas le couvert. Ouais. Et par contre, j'ignore si t'avais une arme du mépris. Ouais, juste ouais. Par contre, j'ignore. Ouais. Donc moi, je claque mon CP pour être en soutenu 2. Et là, faut faire beaucoup de tirs. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout, hein, 3-6. Donc 27 tirs, donc c'est sur du 3. Ouais. Et les 6 font 2 touches supplémentaires. Ouais. Allez. Ouais, c'est ça, c'est anti-véhicule de plus. Ouais. Content de le savoir. Voilà, c'était pour que tu regardes ton codex. Écoute, 3 as. 3 as. Ok. Allez, et moi j'ai de la save à 3 plus. Allez. Ouais, sur du 3, c'est très très propre. Ouais. Tu vas me faire que 6 PV. Aïe 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 aïe. Ouais. J'en suis pas peu fier, 6 PV, je passe donc de 22 à 16. Et le chef n'est que PA moins 1. Ok, donc ce sera pareil. Il y en a 6, il y en a 7. Il y a un monde où j'utilise une invue, probablement. J'utilise une relance, on va voir. C'est, ça me permet de pas passer dans les paliers. Bon, je me suis gavé sur les sauvegardes, mais j'ai tout réussi. Écoute, je vais faire les thermis, hein. Les thermis qui vont tirer sur la monolithe aussi. Donc 15 tirs de Volkit sur ta monolithe. Donc sur du 2. Et ensuite ça va être sur du 5 parce que t'as le plus un bless. Il y a déjà 4 BM, c'est cool. Et après c'est sur du 5 que j'ai la sauvegarde. 2 save à 2. Ouais. 2 save à 2. 5 PV. 5 des 6. Oui. Ouais, touche à 2 et ça va blesser à 5 aussi. Et vraiment... dés pour le 1 PV que tu vas faire. Putain, ouais. C'est pour le plaisir de jeter les dés. Exactement. On aime ça. Hein. Allez, je te prends les 5. On est sur du... 2 plus. 2 plus. Voilà, c'était même pas un peu. Bon. On finit donc la phase de tir de ton tour 3. Et bah autant la phase de tir précédente avait été bien violente, autant celle-ci l'est beaucoup moins parce que tu m'as enlevé. Alors tu m'as enlevé mon Technomancer, ça te met quand même ton assassinat et un point de prisonnier. Mais en fait, bah les brokers se sont cutés sur le monolithe. Ils sont pas cutés, c'est toi qui as sauvé. Ouais, mais je synthétise quoi. Oui, bien sûr. J'ai sauvé comme un gros porc, il faut le dire. Donc mon monolithe est en vie et j'avoue que j'en suis plutôt content. Ce qui va nous amener globalement à ta phase de. Charge. Phase de charge. Bah écoute, j'ai envie de te dire let's go. Let's go. Écoute, je vais commencer moi par la charge des thermis. Donc c'est charge à 9. Charge à 9, free roll parce que t'as le perso qui va bien. Mais une seule suffira. Non. Allez. La relance. Je pense qu'elle passera pas. Elle passe. Ah là là, elle passe. Et ensuite, je vais faire charger les berserks. Dans le petit Gus là-bas. Ouais, le berserk dans le destroyer. Et après, on est bon. Charge.
anecdotique du Thermi aussi. 11. Okay. Donc la charge ici est validée. Est-ce que t'as d'autres charges? Écoute, non, je pense qu'on a fait toutes nos charges. Ouais. On va te, pas te faire l'affront. Lui, c'est bon, tu l'exploses. Juste, je regarde si je fais les BM là-bas. Oui, bien sûr, vas-y. Allez, un petit 6. Ah ben, c'est un as encore. Donc, pas de BM, ça m'emmerde. Fort. J'aurais pas craché sur quelques petits PV en plus. Ouais. Là, tu peux t'activer. Écoute, donc je vais faire mon petit piling. Ouais. Écoute, je vais quand même claquer le strata pour la PA. Ouais. Parce qu'il il est que PA moins un marteau du champion de l'unité. Donc, comme ça, moi, il passera moins 3. Ok, donc toi, tu passes 3. 3 PC. Et du coup, bah, moi, je vais claquer un PC, je vais passer à 2. Et je vais passer en 4 plus invulnérable. Du coup, là, je fais les 8 attaques de gantelet. Donc, ça va être sur du 2 plus et sur du 4. Parce que force 9, mais plus invulnérable. Ouais, ça marche. Touche à 2. Et ça blesse à 4. Et il y en a 3 qui passent. C'est dégâts 2, ça. Dégâts 2. Un vu à 4. 2 PV. Je suis à 11. Je passe à 9. Le marteau. Le marteau. Il y en a 2 qui passent. Pareil, sur du 4. Il y en a une. Un vu à 4. Oui, monsieur. C'est salué. Et le chef. Ah, c'est pas le chef. Ouais, ça, c'est le mec avec son marteau. Ok. À 4. Yes. Ça, c'est force 12. Ouais. Donc, vas-y. Un vu à 4. Je vais te taper, moi aussi. j'ai 6 taquets qui vont toucher sur du 2. Le monolithe, c'est le gars de la partie. Hein. Tout se passe au niveau du monolithe. Ouais. Allez, ça va te toucher à 2. Et ça va te blesser à 4, du coup. Parce que tu mets moins 1. Et bien, moi, je t'en fais qu'une. Et c'est PA moins sur du 4 pour un mort. Vas-y. Bah écoute, je te tue un gars, je veux pas m'en priver. Je prends. Ok. Fin de la phase de combat ? Fin de la phase de combat. Écoute, j'aurais aimé faire tomber un petit peu plus cette monolithe. C'est intéressant parce que t'as des trucs de réussite qui sont assez what the fuck. Là t'as réussi dans toutes tes charges, des charges qui sont un peu longues. Ouais. Tu fais des jets de ouf sur le nombre de tirs, etc. Mais derrière ça, en fait, bah, j'ai aussi des très bons jets de save. Et donc, en fait, on fait tous les deux des très bons jets. Ouais. Du coup, on s'annule, en fait. Donc, on il se passe rien. En fait, il se passe rien. Donc, c'est cool. Ouais, là, j'ai le petit flanc là-bas. Du coup, bah, les thermis ont bien remondi sur la monolithe. J'ai même pas pu faire un petit peu de mortel au corps à corps. Ça fait 2 fois que je me frappe le petit 1. Ouais. Les tirs, t'as bien savé. Après, bon, les... Au CAC, ben voilà, j'ai pas rebondi, c'est... T'as pas fait grand-chose. Voilà, j'ai pas fait grand-chose. Ouais. Et voilà, après, malgré tout, du coup, je marque l'assassinat et nos prisonniers, je t'en fais 1, 2, 3, donc je fais quand même 10 points de secondaire. Tu fais 10 points de secondaire, ouais. On finit ton tour là-dessus, du coup, je vais pouvoir renvoyer des unités dans les ombres. T4 de cet affrontement entre les Leagues of Votan et les Necrons, je vais donc passer à 3 points de commandement, tu vas passer à 4 points de commandement, je vais mettre 10 points de primaire, j'ai un Battle Shock Test à faire pour mon monolithe parce qu'il est en dessous de sa moitié de PV et c'est raté, donc mon monolithe ne désengagera pas, voilà, tenons-le pour dit, voilà pour ça. Ensuite, j'ai mon tirage, j'ai donc tiré déployer les balises de téléportation et j'ai tiré. Étendez la ligne de front que j'ai déjà accessoirement, mais il faudra le faire encore plus. Et on est bon là-dessus. Globalement, j'ai tourné un petit peu les trucs dans toutes les configurations. Je ne vais pas réussir à enlever les 10 points de primaire de flow au prochain tour, mais l'idée va être de le bloquer un maximum dans ses options de jeu. Je vais avoir des 3 PV qui reviennent sur mon monolithe et j'en ai 3 de plus. Je vais avoir des 3 PV qui reviennent dans mes destroyers et j'en ai 3 de plus. Et après, tout le monde est full PV. Je vais donc faire mes mouvements et après, je vais faire mes arrivées des réserves. Et on se retrouve une fois que tout ça fait. Alors, niveau mouvement, qu'est-ce que ça donne sur la table de jeu?
Ça donne la chose suivante, j'ai pas fait beaucoup de mouvements parce que j'ai pas beaucoup d'unités. Sont partis par contre dans la matrice hypercrypt, les destroyers qui étaient ici, sont partis dans la matrice hypercrypt, les snipers qui étaient aussi ici, le plasmancer qui était tout seul, ainsi que le Hexmark. Voilà, qui est parti et qui revient. Du coup, le Hexmark revient ici, met un pied sur l'objectif. Je vous rappelle que lui, il est non opératif. Donc, l'idée, bah, c'est de se cacher un maximum. Le Nightbringer s'est rapproché le plus possible ici, tout en gardant un pied sur l'objectif. Le Monolith, qui est Battle Shock, évidemment, on va pas tenter un désespéré escape. Ce serait quand même un peu fucked up. Et après, là-bas, du coup, les Immortels n'ont pas bougé parce que s'ils bougent, ils se prennent un Overwatch à 5+. Des gravitons, et autant vous dire que ça risque de faire très très mal au pack. Par contre, ils sont venus se faire renforcer par le pack de Destroyer. Et mon petit Plasmancer qui était parti, il revient ici et il va faire un deploy. Voilà, et surtout, on va commencer par ça. Il va faire son aptitude parce que c'est pas un tir, donc il n'y a pas de raison qu'il ne s'en prive. Il va faire son aptitude, il va cibler le petit châssis qui est là, et sur de la 4+, il va lui mettre de la mortelle. Et bien, il en fait une. Ça suffit. C'est suffisant. Est-ce qu'il explose le châssis? Eh ben non, j'aurais été refait. Ouais, ça ne m'apporte absolument rien, mais c'était vraiment pour le kiff, quoi. Si ça t'apporte un petit truc, un petit cadeau. Ah voilà, merci. Si ça m'apporte un malus, je prends un token. Du coup, bah, ça va nous amener très rapidement à ce qui va se passer là-bas. Donc on va activer le monolithe en premier. Je vais mettre mes 4 gros tirs dans le corps à corps ici. Donc c'est parti, les 4 gros tirs là-dedans. Ça touche à moins 1 parce que je suis dans un corps à corps. Du coup, je touche à 4. Tu t'en fiches? Je m'en fiche. Et surtout, je oh, substain des 3. Donc je rajoute... ça va piquer. Ouais. Ça va piquer. Ça te blesse normalement à 2. Et donc ça va te blesser à 3. C'est PA moins 4 pour D6 plus 1. Ça va 6, donc le premier. Le premier. Il meurt. Si, il a qu'un PV. Il a qu'un PV. Mais de toute façon, c'est D6 plus 1. C'est D6 plus 1. Ouais. Donc à chaque fois, ça fait un mort. À chaque fois, ça fait un mort. Jusqu'au perso, t'as encore 2 mecs. Tu peux en faire 2 à 6. Donc il reste un mec. Il est mort. 1 vu à 4 pour le patron. Non, il prend D6 plus 1. Ça fait 4. Tu voulais la reroll peut-être? Ouais, je vais la... Non, vas-y, reroll. Ouais. Mais attends, t'en as un... Ok, ça marche. Bon. Donc, il y en a une qui passe. Ouais. J'ai fait 3, ça fait 4 PV. Ouais. Non, c'est bon. Donc, il survit à un PV, ton patron. Avec les gros avec tirs là-dedans. Du coup, les petits tirs, les ratatas, vont partir là-dedans. Écoute, il va en rester un. Il va en rester un. Donc, on va activer les destroyers qui sont là et on va tout mettre là-dedans. C'est parti. Il y en a donc, il y a 12 tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça touche à 3, c'est full reroll et ça substain sur des 5 et des 6. Ça, c'est la relance. C'est full reroll du chef. C'est la full reroll de la relique, ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je relance tout? Est-ce que je cherche à explos? Statistiquement, ça sert pas à grand-chose en vrai. Donc, non, je vais juste relancer les échecs. Ok, donc il y a 4 supplémentaires, 1, 2, 3 et 4, tac, et je te force 6, en du 6, sur du 4, je te blesse à 4 et j'ai la reroll des as parce que tu es de l'infanterie, tac, les 3 sont des échecs, ici, ça c'est bon, ici, et les 3 sont des échecs. Et ben 2 de plus. On est bon, vas-y, t'as ça en PA-1, mais de toute façon tu t'en fous parce que t'as le. Ouais, l'armure. Donc ouais. À 3. Ouais, c'est un dégât. Ouais, écoute, je commence par les mecs de derrière. Et après par les petits PV tampons. De toute façon c'est save à 3 aussi eux. Ouais. Bah 2 PV. Écoute, je vais faire un mort. Et lui reste un PV. Okay. Lui c'est l'assistant, il a 2 PV. Les immortels ils vont balancer tous leurs tirs là-dedans. C'est parti, donc ça fait 20 tirs sur du 3. Les 5 et les 6 blessent auto. Et ça te blesse sur du 5. Reroll les as. Il n'y a pas d'as. Tu as ça. Tac, vas-y. C'est PA-1 que tu transformes en PA-0. Allez, save à 3.
Écoute, ça va faire 1 PV, 2 PV. Et lui, il a perdu 2 PV. Et il va tirer. Ils vont tirer dedans. Me rendre l'appareil ? Ouais. Donc ça va me coûter 2 CP. Donc il va m'en rester 1. Donc je vais faire 6d6. Ah, ça va piquer. 17, mais je vais rajouter 12 tirs parce que tu es plus 10. C'est ça. Donc 17 et 12, ça fait 29 tirs. Ouais. Donc ça va faire 3 plus. Ouais. Et ensuite, c'est force 5. En du 5. En du 5, et j'ai plus 1, donc c'est sur du 3. Du coup, je suis sur de la 5 plus. Tac, 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 tu m'en tues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il te fait le Nightbringer, il te fait des 3 tirs, il t'en fait 3, il te touche sur du 2 et il te blesse sur du 2. C'est en force combien ? C'est force 12, c'est perd moins 2, donc avec le couvert et l'armure du mépris. C'est va 3. C'est va 3. Par contre, c'est un mort net par save raté. C'est des 6 plus 3. C'est bon, ils sont devant. C'est devant. Fin de la phase de tir, bah globalement, j'ai enlevé quand même pas mal de thermi au corps à corps. Ça, c'est un fait notable. J'ai enlevé aussi des petits gars là. J'ai fait tomber le châssis qui était sur objectif, mais de manière générale, il est stické, donc ça n'enlèvera pas de points à Flo. Et mauvaise séquence difficile, mais c'est une super bonne unité, les broquiers, en fait, parce que quand on tire dessus avec l'armure du mépris et le couvert, c'est une unité d'infanterie, c'est très difficile de... C'est très difficile de créer véritablement du dégât. Il faut vraiment de la bonne arme pour. Et surtout, tu as ton stratagème que tu as utilisé pour 2 PC qui a permis de renvoyer la salve. Ça fait super mal. Ouais. Heureusement, j'ai le Nightbringer qui a réussi à arracher 2 mecs. C'est pas dégueulasse. Ça va me permettre d'arriver sur la phase de charge. J'ai le Nightbringer qui va te charger sur ton boss. 4, il en fallait pas moins. Je pense que c'était une charge à 3. Et après, en termes de charge, autre charge, j'ai rien de plus à faire. Donc, on va juste faire taper le Nightbringer. Tiens, je te fais dans la foulée. Est-ce que je te tue ? Il lui reste 1 PV. Je te touche à 2, je te blesse à 2, et surtout, c'est Deva Wound. C'est Deva Wound, tu prends 6 flat, de toute façon, enfin, tu prends, il est dead. Du coup, fin de mon tour, je tue ce bon vieux Thermi. Ça m'apporte pas d'autre chose que juste de la satisfaction personnelle. Voilà. Mais soit dit en passant, je mets 10 points de secondaire parce que j'ai l'Election Battle Line et j'ai Deploy avec mon petit Placementer qui est là-bas dans sa zone. Point de commandement au début de ton tour. Toi, tu vas passer à 2 points de commandement au début de ton tour 2. Tu vas mettre 10 points de primaire. Du coup, ouais, donc je tombe sur Investigate Signal et Overwhelming Force. Overwhelming Force, donc c'est donc, tu l'as déjà. Overwhelming. Non, Overwhelming, faut que je... Des unités, faut que tu suives des unités sur les objectifs. Ouais. Et voilà, écoute, et c'est tout. Hein. Phase de move. Ok, les amis, fin de phase de mouvement du T4 de notre ami Flo. Je te laisse expliquer ce que tu as fait. Donc, du coup, on a pris les petites motos, on les a planquées là. Même si, de toute façon, il va pouvoir faire toutes ses faibles, donc elles ne sont pas si planquées que ça. On a décalé un petit peu les berserk ici. Ici, on a avancé les thermis pour prendre une ligne de vue sur le petit gars là. Pour pouvoir lui tirer dessus. Et ensuite, l'hécatone s'est décalé à ce niveau-là pour faire l'investigate signal. La moto là-bas s'est décalée également pour faire l'investigate signal. Et ensuite, les broquiers, ils n'ont pas bougé. On risque de prendre un Overwatch. Voilà, comme ils sont que 4, on va essayer de sortir cette monolithe. Deuxième chance pour les broquiers. Ouais. L'école de la seconde chance. Sachant qu'ils sont que 4. Donc 4d6 pour faire des gros jets là-dessus. Bon, déjà, c'est pas trop mal. Là, tu pars bien. C'est bien lancé pour. Ouais. Ça va. Heureusement que c'est avec donc, ça fait 15. Donc, sur du 3, et les 6 font 2 touches supplémentaires. Ouais. 1, 2, 3, 4, 6. Du coup, force 5, en du 13, 13. Sur du 2. Allez, impeccable. Ah, j'aurais pas dû troll. Ça fait. Tu t'es fait punir ? 7-1. Voilà, tu t'es fait punir. C'est pas bien. On est sur la même mécanique, c'est-à-dire qu'en fait j'ai le couvert, donc je suis sur du 3+. J'ai des PC, donc je. Ah, t'as le patron encore. Ouais, donc le patron il est dégâts 3. Donc je garderai éventuellement une reroll pour le patron. Donc je mettrai pas de reroll là-dessus. Ah, c'est moche. Ah, il pique celui-là. Et ça fait 12 PV. Ouais. Il est mort. En fait, il faut que j'utilise une reroll là-dessus en vrai. Sur la dernière save, j'utilise une reroll. Sur du 3. Oui. Donc, je passe à 3 PC
Je pensais pas que je prendrais ton forfait. Il me reste 2 PV. Vas-y, est-ce que tu tues, est-ce que le boss le tue ou pas? Écoute, déjà il y en a 2. Pas de 6 par contre. Mais sur du 2. Il n'y a pas d'as. Pas d'as. Ça y va 3. Attention. Allez, s'il te plaît, arrête. J'ai plus de reroll. La première. Voilà. La deuxième. Bon, voilà. Attends, est-ce qu'on le dit? Moi j'école que tu es explosé. Explosion. Non. Putain. T'as, j'avais tout misé sur ce plan là. J'entends bien. On va faire tirer les thermies oui. Sur ton petit gars. Donc on a un qui est pas en, qui est pas dans la zone de l'onop. Ouais, c'est ça. Donc on a 4 qui tirent. Donc on va faire déjà les tirs de Volkit. Donc ça va faire 13 tirs. 12 tirs, pardon. Donc 4 du coup sur du 3, non. Ouais, sur du 3. Et, ouais. 12 tirs sur du 3. Le doute subsiste, j'ai rendu 5. Ok, donc c'est sur du 4 et les 6 sont de l'ABM. Ouais. Bah écoute. 2, c'est PA, pas de PA. Pas de PA. J'ai de la save à 3. Je prends 1 PV. Ensuite. Il lui en reste 4. 4 des 6. Ça fait 12, ça fait 14. C'est sur du 3. 3. Et c'est force. Force 4, mais là, sur du 5. Ça sera sur du 5. Là. C'est très très propre. Ouais. C'est un joli 5 plus. C'est un 5 plus en stat à 2. Et sur du 3 toujours pour moi. Bah ouais, moi c'est une 3 plus en stat à 6 plus à 1 plus. là ici hein, on vient de passer à la phase de charge. Ici ça rentre là dedans et du coup lui il overwatch gratos. C'est sur du 2 mesdames et messieurs. C'est pas 6 ? Non, il overwatch sur du 2 plus. OK. Et c'est son aptitude. Et c'est force 6 donc c'est sur du 4. Bah écoute, tiens, tu as ça en moins 2 ignore cover pour un dégât par contre. On est réglo. Allez, je te tue un thermi. Écoute, le plus loin. Je pense que tu veux enlever le plus proche, non? Vas-y, je sais pas, t'as une charge à combien, t'avais mesuré Je crois que ça doit être 8 ou 9. Je pense que c'est une charge à 8, c'est pas une charge à 9, ça. C'est une charge à 8. Ouais. Charge à 8, reroll. Tu les as toutes réussies pour l'instant. Allez, s'il te plaît, pour 3 points. 9. Allez. C'est bon. 4. Le 4 BM, bah, il est mort. On n'ira pas plus loin. Voilà. Donc du coup, pour mon T4, donc je vais pouvoir mettre 3 points pour Overwing Force. Ouais. Parce que j'ai détruit une unité. Investigatine, on a dit que je mettais 4. À la fin de ton T4, je fais repartir mon paquet de Destroyer, mon paquet d'Immortel qui était bien amoché par la rafale de Graviton, et mon Plasmancer qui était tout seul dans son coin. Et voilà, sachant que je vais utiliser après un PC pour pouvoir faire un protocole depuis le ciel. Ok, tour 5 de la partie. Je vais marquer 10 points de primaire. Donc ce qui me fait passer de 65 à 75 points. Je vais tirer capture ennemi de poste, ce qui est absolument génial, on va pas se mentir. Et je vais tirer broyez-le, Bring It Down. Je vais utiliser un PC pour le dégager parce que Bring It Down, il n'y a que ce châssis et j'ai pas du tout envie d'aller courir après ce châssis. Je le défausse et du coup, je tire Area d'Ineal, ce qui est plutôt cool. Les choses importantes. Je vais avoir un Battle Shock Test pour mes immortels qui sont dans le warp, ils ont un OC de 6 avec le Plasmancer. Donc c'est réussi pour leur test de commandement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un PC pour faire un protocole depuis le ciel, ce qui me permettrait de ramener, qui va me permettre de ramener des 3 immortels. Je ramène 2 immortels et 2 PV sur un Destroyer. Donc il était à 1 PV, il passe à 3 PV restants. Bien, fin de la phase de mouvement. Donc globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé pas grand chose, que il me restait pas grand chose sur la table. J'ai mon Nightbringer qui est venu avancer de 6 pouces et qui aura une charge au mieux à 7 sur lui, mais je compte bien en enlever, donc forcément Flo va enlever lui en premier pour me donner la charge de Nightbringer. Mais bon, l'idée c'est qu'il passe même pas la phase de. Il ne passe pas la phase de corps à corps, ça sera absolument génial. Quoi qu'il en soit, j'ai gardé un PC et je vais pas le dépenser pour ça, pour la reroll de la charge le cas échéant. J'ai utilisé un PC pour permettre à eux de venir se jeter sur l'objectif à plus de 3 pouces de eux. Donc eux vont venir apporter des tirs là-dedans. J'ai fait arriver lui à plus de 9 pouces qui va venir apporter CBM, lui qui va venir apporter CBM. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit cordon
ici avec mes immortels, en fait, pour l'embêter et empêcher sa forteresse de venir se poser sur l'objectif. Dans lequel cas, il va devoir obligatoirement bouger. Et s'il me tire dessus, bah, il me tue, il ne peut pas me charger, donc il ne peut pas aller chercher son objectif. S'il décide de me charger et qu'il ne me tue pas, et ben, bah, voilà. Globalement, je mets en difficulté là-dessus et puis on voit ce que ça donne. Et on arrive immédiatement en fait à ma phase de tir, sans plus attendre. Ensuite, on y va, on va faire les tirs ici de Ghost qui vont partir dans lui et l'aptitude de papa et l'arme de papa qui vont partir dans les Terminators. Alors déjà, je vous fais les 5 Ghosts. Je claque l'armure du mépris sur les Termi. Ouais, bien sûr. C'est restant. Là, je vais envoyer les 10 tirs de Ghost dans le petit gars qui est esselé dans son coin. Je vais toucher sur du 3, les 5 et les 6 blessent auto. Ils se sont chauffés, les gars. Et je vais te blesser sur du 4. Les As sont reroll parce que je suis content. Et voilà, tu as ça en PA moins 1 pour sa mort absolue. Il est mort. Il est mort. Ok. Ensuite, aptitude du Plasmancer numéro 1. 1, 2, 3, 4. Sur du 4+, ça fait des BM. Ça te fait 3 BM dans les thermis. Ok. Ça fait un mort et demi. Ouais, le tir du Plasmancer. Ensuite, on passe sur lui. Lui, même chanson. Il y va, il te fait de la blessure mortelle sur du 4+. Il te fait une blessure mortelle supplémentaire. Et après, il te fait ses 3 tirs. Il te touche bien. Et il te blesse sur du 4. Et bah, vas-y. C'est PA moins 3 pour 2 dégâts. Donc, PA moins 2, t'en as rien mis pris. Donc, t'es sur du 4. T'as pas de couvert. Ouais. Donc, t'as 2 morts, et là, t'as save à 4, 1 mort supplémentaire. Ça nous fait 3 morts. Ok. Ensuite, on va avoir papa ici qui va faire son regard de mort dans les mecs du centre. C'est des 3 tirs, ça en fait 2, ça touche à 2, et ça te blesse sur du 3+, enfin du 2, mais qui passe à 3. C'est pas d'Eva Wound. Par contre, c'est PA-2 qui passe PA-1 parce que t'as l'armure du mépris. Ouais. Donc, c'est sur du 3 pour un mort à chaque fois aussi. C'est bon. C'est bon. Ok, et ensuite, et enfin, surtout, on va activer les destroyers qui vont mettre tout là-dedans. Donc, un mort. Et il reste un PEV sur le champion. Oh, sérieux, tu vas me la rejouer celle-là? On rejoue la même chanson encore, le mec qui survit à un PEV? Ouais. Ok, fin de la phase de tir, et eh ben c'est plutôt pas mal parce que j'enlève 4 Terminators, ils étaient 4 Ouais. J'enlève 4 Terminators et je laisse le boss à 2 PV, il va donc falloir que je réussisse ma charge avec le Nightbringer. J'ai un PC pour ça donc il n'y a pas de raison. Ok, les amis, on arrive donc sur la charge du Nightbringer, c'est parti pour une charge à 8. Oh pas du tout, donc je vais utiliser mon dernier PC et on va la relance, la charge à 8. Aïe, aïe, aïe. Allez, elle est méritée, mon grand. Oui, 8 tout pile. Pam, 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 pam. Il va t'expliquer comment ça se passe au niveau de la... Aïe, 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 aïe. Au niveau de la dynastie. Il va te mettre ses 6 gros taquets. Ils sont déchargés, CD. Bah, faut que je te le tue quand même, parce que ça l'a vu à 4 aussi. Hein. Ouais. Mais après, là t'es en 2+, 2+, du coup. Je suis en 2+, 2+. Allez, 2+. Ah putain, il y a 3 As. Allez, il me faut un 6, on n'en parle plus. Vas-y, tes 3 As vus à 4, t'as 13 PC ou pas? Non, j'en ai plus. Vas-y, vas-y. Si t'en rates une, il est mort. Allez. Je mérite. Oh, tu m'as mis un coup de pression, putain de ouf. Il rate, tu prends des 6 plus 1 minimum, donc il prend ses 2 PV. Et je t'enlève ton boss. Badaboum! Putain, c'était chaud. Hein. Ouais. C'était vraiment, vraiment chaud. Ok. Il me manquait le CP de la reroll. Ouais, il manquait le PC reroll. Bon, je vais finir. Ça me permet de finir ma partie là-dessus. Je vais mettre 8 points de capture ennemi haut de poste. Et je vais mettre 5 points d'Aera d'Inéal. Ouais. Et globalement, ça m'amène à combien au score final? 88. J'ai plafonné à 88. Mmh. Toi, tu vas mettre ton primaire qu'au début de ton... à la fin de ton tour. Ouais. Tu vas avoir un battle shock, mais surtout on veut que tu tires tes objectifs, ça c'est important. Flo a tiré. Engagement sur tous les fronts. Engager tous les fronts et Storm of Steel objectif qui consiste à récupérer un objectif qui était sous mon contrôle. Fin de mouvement pour le dernier tour de l'armée Votan.
Alors, que s'est-il Donc du passé? coup, eux, ils sont restés ici pour prendre carte de table et l'objectif. Là-bas, j'ai mes petits brokers du coup qui sont avancés. Ils vont tout simplement tenter une charge pour reprendre l'objo et en espérant tuer quelques petits mecs. Ensuite, j'ai les motos là-bas qui sont venues des réserves pour prendre le quart de table. Il y a une petite ligne de vue pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les embêter. Et voilà, et ce sera tout pour le moment. Alors, fin de la phase de tir. Là, globalement, ça a plutôt bien payé parce qu'en fait, j'ai plus que 4 points d'OC. Donc, il a fait au compte-gouttes pour vraiment arriver et s'assurer la charge avec sa forteresse. Donc, normalement, c'est quasiment une charge auto. Et après, il y aura les brokirs sur les Les Deathmark. franchement, ça serait un honneur de faire un doublas Ouais. chez toi sur ta chaîne. Ah, ça serait classe. Et on commence par laquelle? Je commence par les Katon. Allez, qui paye son doublas? Tu m'autorises mes dévotanes ou pas pour la charge? C'est pas autorisé, mais on t'autorise Ok. exceptionnellement pour la charge Ils les ont pas Dévotanes. Ça active les Dévotanes. intérêt. Charge à 3, validée! Validée la charge à 3. Et du coup, pour la charge là-bas, je vais pas prendre les dévotanes. T'es sûr? Et là-bas, je pense que t'es sur une charge à 4, 5, je 4 ou crois. 5, ouais. J'aurais tendance à dire à 4. À moins de 5 avec celui-ci. Charge à 4? Charge à 4. Vas-tu refaire son 3? Ok, et eh ben écoute, tu peux taper avec ta forteresse, mais bon, on sait globalement que ça changera pas Ouais, grand-chose. non. Ça, elle fait tout de même 8 attaques sur du 4 qui passe à 3. Ça va être à 2 parce que c'est plus une force supérieure à 5. Ouais. Donc Ouais, plus 1. Donc. ça me va. Et voilà. Pas de PA, save Pas à de PA. 3. Et eh ben, j'ai les deux qui meurent et je prends un PV sur le class sponsor. Donc c'est bon, tu récupères ton objectif, il n'y a pas débat. Allez, parfait. Tac. Après, Ensuite, là-bas. côté des copains ici, j'en perds un. Donc tu récupères, on s'en fout. Et. En gros, tu récupères l'objectif. Quoi qu'il Ok. arrive. Quoi qu'il arrive, tu récupéreras l'objectif parce que j'ai plus que 4 mecs. Ouais. Ok, donc tu as tué suffisamment de Hexmark de toute façon pour t'assurer le contrôle de cet objectif et avoir effectivement à la fin de à la fin de ton tour 15 points de primaire. Ouais. 15 points de primaire, du coup, plus Storm of Steel que tu mets À à 5. 5 et plus les cartes Engagement. Engage All Front Ouais. que tu mets à 3 puisque tu tiens 3 quarts de table. Chercher la caméra là, mais elle est là. Annonce des scores, c'est l'heure du débrief. Fin de la partie, on arrive donc au débriefing de la game, l'annonce du score final. Victoire des Nécrons, 88 à 80... 88 à 83. 83. 5 points d'écart, 5 points qui ont été mis sur le delta des primaires. C'est ça. Parce qu'on a fait 38-38 au secondaire et 40-35 au primaire. Ouais. C'est une super partie, c'est super Ouais. cool. Bien joué C'était très d'ailleurs. serré. Merci, bien joué à toi. C'était très très cool comme partie. Le score est appréciable, ça caractérise aussi une partie qui est sympa à jouer parce que du début à la fin, ça se joue. Et puis on l'a vu, il y a quelques jets de dés qui sont quand même assez consistants, quelques tirages secondaires qui sont aussi consistants. Et ça donne un petit peu tout l'intérêt de la partie. Un petit mot pour la fin. Moi, je voulais voilà, placer un petit big up à la team Manucci Allez, les et manouches. les Manouches, Ouais, exactement. impeccable. Et à Chris de la boutique Table Rase à Aix. Qu'on Voilà, salue. gros salut. Moi, Ouais. j'ai kiffé la partie, c'était top, c'était intéressant, ça s'est joué à pas grand-chose, donc on espère que vous avez apprécié aussi. En tout cas, je te remercie d'être venu, c'était super cool. Je vous rappelle que ce tournage aussi, c'est un petit peu le relancement de la machine rapport de bataille. N'hésitez pas, si ça vous intéresse de venir jouer au studio, à me contacter sur Discord. Il y a un salon qui s'appelle Saison de bataille, dans lequel vous pouvez venir m'interpeller pour me dire, bah, moi, je suis pas loin du studio qui est à Marignane, ou si vous êtes loin et que vous avez envie de vous déplacer pour vivre cette expérience-là, bah, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir que je vous reçois. Et ça sera un plaisir de vous recevoir et de faire de la partie filmée. Voilà les amis, Ouais. Flo, encore merci à toi. Merci à Et toi. puis les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao, ciao, ciao les seigneurs de guerre. Ciao, ciao.